J'aime utiliser dans ma création des objets recyclés. Des objets que je trouve. Dans ce cas-ci, j'ai pris des chevilles qui reproduisaient donc l'entassement de tous ces Africains au fond de cale. Et ensuite, ce chien loup blanc que j'ai choisi, je lui ai mis des crocs acérés et sa langue est en forme de bateau négrier. Le chien loup symbolise toute l'horreur pour moi de la traite négrière, surtout lorsqu'on sait le rôle des chiens dans la poursuite des nègres marrons, des esclaves fugitifs, et plus récemment, si on veut faire le lien avec notre siècle, des poursuites d'horreur de noirs organisées par le Kékéké. Donc cette inspiration m'a amené dans un air d'effroi, de tristesse infinie et de révolte.